vrai ou faux, Kid Wise aurait bien aimé être islandais. Ah oui, assez catégorique, je pense. Ah oui, ouais, catégorique. Bon, c'est déjà une destination de rêve, et puis c'est une scène culturelle qu'on adore. Avec des groupes comme For Human Reflection, Sigur Rós, Björk un petit peu avant. C'est une très grande influence l'Islande, on aimerait bien se retrouver en groupe ou enregistré, par exemple, dans le studio de... Ouais, ce serait cool. Studio du chanteur de Sigur Rós, s'il nous entend ce soir. Vrai ou faux, Kid Wise est un rêve éveillé. Bah c'est drôle parce qu'en fait, on a une nouvelle chanson qu'on joue en live et on a un petit sample qu'on envoie. Et c'est Bachelard. Gaston Bachelard, philosophe. Et le dernier truc qu'il dit, c'est nous sommes les dormeurs éveillés, des rêveurs lucides. Il raconte que avant toute pensée, il y a le songe. Donc en effet, on peut dire que Kid Wise est notre rêve éveillé. Ouais. En plus, ça nous est tombé dessus vraiment de manière super rapide en fait. On dort encore là. On dort encore. Tu peux le préciser. Vrai ou faux? Kid Wise n'a aucune appréhension de jouer au Garo Rock. C'est faux. C'est totalement faux. On appréhende grave. Ça fait partie des trucs qui nous sont tombés dessus un beau matin en se levant. Garo Rock, vieille charrue, tout ça dans la même semaine. Excellent. Alors, vrai ou faux? Kid Wise, qualifié de néo-pop progressiste par leurs soins, c'est pour se moquer des journalistes. Bah non. Non, je pense pas. C'est faux. Comme il y a un peu de pop et un petit peu de rock progressif, il y a un côté pop progressif ou post-pop, je ne sais pas comment. On n'arrive pas du tout à donner le nom, mais ce qu'on essaye de faire, c'est un peu de la pop progressive, parce qu'il y a des morceaux qui ont des sonorités très pop, donc parfois très colorées, mais à la fois très contrastées. Comme dans un morceau, par exemple, sur le premier EP qui s'appelle Funeral, qui est un couplet, un refrain, mais qui est sur un format de 11 minutes en fait. C'est ça qu'on appelle progressif, c'est le format où tu attends vraiment de développer un message. Kid Wise a pour fil rouge la jeunesse, passé la trentaine, Kid Wise sera donc foutu. Non, ce sera différent. Ouais, ce sera différent, ouais. Si on existe encore. On compte faire comme Serge Lama, une carrière de 50 ans. Voilà, c'est le projet. Vous nous interviewerez dans 50 ans. Vrai ou faux, Kid Wise pense que l'adolescence est un âge d'or. Mais c'est parce qu'on considère, en fait, c'est pas un choix qu'on a vraiment réfléchi, c'est qu'on est juste en plein dedans. C'est pas non plus une période ultra marrante de là à dire que c'est un âge d'or, je sais pas. Ouais. Il y a aussi une espèce de spleen du paradis perdu de l'enfance. Une espèce de truc... être adolescent, c'est devenir adulte et se rendre compte que voilà, l'enfance est finie. Vrai ou faux, Kid Wise considère que Hope n'est pas sa meilleure chanson. Il y a une histoire dans Hope, et c'est une chanson en fait qui est très vieille, qui a existé même avant que Kid Wise existe. Enfin, c'est une chanson qui est un peu du vécu, et que j'avais faite avec le guitariste. Et c'était juste un guitare piano voix. Mais comme on trouvait qu'il y avait quand même un message fort derrière, que c'était un bon premier échelon pour le morceau, on a décidé de faire de tourner à la sauce Kid Wise. Il y a des chansons qu'on préfère jouer sur scène plus que d'autres. Ouais, voilà. Il y a des chansons qui sont plus intéressantes sur CD, qu'on préfère écouter. Après, on a des choses qui sont vraiment différentes sur scène et qui permettent plus de liberté. Mais après, c'est un titre qu'on adore. Ouais, c'est plus une chanson qui représente une période qui est maintenant ancrée en nous. Voilà. Mais on l'aime pour autant. Vrai ou faux, Kid Wise est une aventure fragile. Oui. Extrêmement fragile. Avant tout, ce qui nous relie, c'est une histoire humaine plus que de la musique. Ouais, la musique, c'est là où on se retrouve de temps en temps et là où on peut s'exprimer sans mots, juste sur du sensible. On aurait dû commencer par ça. Vrai ou faux, Kid Wise est un enfant sage. Ce qui est sûr, c'est qu'on est des enfants par contre. Ouais, on est surtout des gosses. Des enfants, on est des gosses, ça c'est sûr. C'est Théo qui a dit tout à l'heure que le fossé entre enfant et sage était en train de gravement se creuser. Ouais. On était de plus en plus enfant et de moins en moins sage. Ouais. Mais la moitié de la réponse. Ouais. Et je sais pas si un jour on aura la deuxième moitié. Bien sûr. Merci Augustin. Ouais. Tu nous emmènes? Je vous emmène.